Au lendemain, moi j'ai même essor, j'ai découvert des bêtes dans mes boîtes de graines. Que je suis très ravie. Il va falloir que je refasse la réserve. Mais bon, heureusement j'ai tout ce qu'il faut. Alors voici la bête en question. Voilà, je sais pas c'est quoi, mais je pense qu'elle a dû pondre ses œufs partout. Encore, j'en aurai qu'une, mais bon, j'en ai au moins une vingtaine. Conclure, abandonner à manger des fourmis, regarde bien s'il n'y a pas des intrus dans la nourriture, hein? Au revoir! J'ai donc gardé toutes mes anciennes graines pour les oiseaux cet hiver et j'en ai pris d'autres et j'ai mis tout ça dans des sachets. Bien sûr, j'ai tout congelé. Alors, il y a verre de farine, la courge, aramante, maïs, graines perruche, sarrasin, tournesol, trèfle radis, ça je ne sais pas c'est quoi, de l'avoine, mélange de graines, verre de farine encore. Du pavot, sésame, sésame noir et blanc, du millet, du lin. Des graines de pissenlit. Des crevettes séchées. Et encore des vers. Un sachet de congélation, comme ça moi, je serai sûr de pas avoir des surprises. À bientôt. Voici ma nouvelle boîte que j'ai achetée à Action pour moins de 2 euros. Je vais maintenant ranger. J'ai plus qu'à rajouter un petit ruban. Ou faire un petit nœud. Adieu les mythes. Alors, du côté de mes sorts, j'ai pu installer un plastique rouge afin de garder les galeries dans le noir. C'est très efficace et surtout je peux observer mes fourmis. Alors ce plastique vient de la boîte, d'une boîte spéciale pour la pâte Fimo. J'ai aussi mis un poivron à côté d'elle. Il paraît que c'est un aliment qui éloigne les acariens.
Ma fourmilière à steak va bien aussi. De temps en temps, j'ai des ouvrières qui se baladent dedans. Elles ont d'ailleurs bouché l'entrée de la paille avec du coton. Je ne sais pas pourquoi. Avant la vidéo, j'ai rempli ma fiole d'eau. Les fourmis viennent boire. Et vous inquiétez pas, l'air de chasse est sale. Parce que j'ai mis des grillons il y a quelques jours. Je n'ai pas eu encore le temps de tout nettoyer.